the next talk, Benjamin Kolenda and Philip Koppe, they will refresh our memories because they already had a talk on 3433 where they talked about the microcode ROM. And today they're going to give us some more insights. Donc le speaker a déjà parlé sur le microcode il y a quelques années et il va nous donner plus de détails sur comment ça fonctionne. Donc Benjamin est spécialisé des attaques et des défenses logicielles. Et avec Philippe, ils vont maintenant abuser le microcode des AMD pour l'amusement et pour la sécurité. Donc merci. Donc, comme mentionné, on a réussi à reverse engineer le microcode AMD. Et donc, je vais vous expliquer notre voyage, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a fait. Donc j'ai fait ça avec un collègue. En gros, on va commencer par un cours très rapide sur les micro-architectures et qu'est-ce que c'est que le microcode. Ensuite, on va expliquer comment est-ce qu'on a reconstruit la ROM du microcode. Et ensuite, je vais donner des exemples d'applications qu'on a implémentées en utilisant les connaissances qu'on a trouvées à la deuxième partie. Et je vais enfin décrire le framework qu'on a employé, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et bien sûr, ces outils et d'autres sont disponibles sur GitHub. Et libre à vous de continuer notre travail. Donc, quand je dis microcode, en gros, c'est comme le firmware pour un processeur. Donc, on peut s'en servir pour fixer des bugs dans le silicium et qu'on veut fixer un peu plus tard dans le design. On peut aussi s'en servir pour du décodage d'instructions, je vais revenir là-dessus en détail. C'est aussi utile pour la gestion des exceptions. Donc par exemple, si une interruption, une exception est élevée, le microcode peut la modifier, la traiter, etc. C'est aussi utilisé pour la gestion de l'énergie et des fonctionnalités plus complexes comme IntelliJX. Mais le plus intéressant pour nous, c'est qu'on peut le mettre à jour. Donc on peut faire des mises à jour dans le champ. Donc on peut venir mettre à jour le microcode. Donc l'exécution d'une instruction sur x86 est faite en plusieurs étapes. La première, c'est de décoder l'instruction en plusieurs micro-opérations qui sont ensuite schedulées, ordonnancées et distribuées dans les différents pipelines d'exécution, l'ALU, l'unité de multiplication, de division, etc. Donc, ce qui nous concerne le plus, c'est l'étape de décodage. Donc, on a un tampon d'instructions qui va remplir des décodeurs. Certains pour des instructions simples, certains pour des instructions plus longues, certains pour les instructions vectorielles. C'est les plus compliquées. Donc, en gros, le vecteur principal, c'est le moteur vectoriel. Donc, tout ça, c'est chargé de la ROM du microcode et ça ressemble, c'est géré comme des instructions. Et à côté de cette ROM, on a les updates qui sont stockés dans la RAM. Et bien sûr, autour de cette ROM et de cette RAM, on a des composants qui sont nécessaires. Donc, qu'est-ce qu'un match register? C'est un registre de débugage. Ça ressemble à un breakpoint hardware. Si on écrit dans ces registres, on peut aller à d'autres offsets dans la ROM et exécuter notre propre code. Donc, les mises à jour, elles sont chargées soit par le BIOS, soit par le système d'exploitation, le noyau. Donc, en général, on a un header et des triades. Qu'est-ce que c'est qu'une triade? Donc, une triade, c'est trois opérations. Donc des instructions x86 plus ou moins et un mot de séquence. Ce mot de séquence indique quelle micro instruction exécuter après celle-ci. Donc on veut par exemple opérer un branchement ou dire qu'on a fini de décoder ou autre. Donc il y a une authentification faible qui protège ces mises à jour. Donc ce qui fait qu'on peut mettre au point notre propre mise à jour, analyser, etc.
Néanmoins, on ne peut avoir qu'une mise à jour chargée à la fois. Donc elle est dans la RAM, donc si on reboot la machine, la mise à jour disparaît. Donc on va observer du microcode. Et donc on va utiliser un langage de transfert de registre basé sur l'assembleur x86. Donc les différences par rapport à l'assembleur x86. Donc on peut avoir trois opérandes sur le microcode, à la différence du x86 où en général c'est deux. Donc d'abord la destination, puis deux opérandes sources. De plus, il y a des flags qu'on peut définir. Par exemple, le flag .c, ça veut dire met aussi à jour le flag de retenue en fonction du résultat de l'instruction. Donc on a une branche, on a la condition sur laquelle la branche est prise, donc si le carry est pris, et à false, et ensuite on a l'offset, donc l'offset c'est 1. Donc on a aussi des annotations sur le mot de séquence, qui peut être implicite. C'est une architecture load store, donc on peut utiliser des opérandes en mémoire, comme sous x86, et on doit charger explicitement les choses dans la mémoire. Donc la ROM du microcode est vraiment câblée dans le silicium du CPU, donc on peut pas la modifier. Donc ça c'est une image faite au Microsoft Electronics du substrat de base du microcontrôleur du microprocesseur. Donc on a des régions qui sont divisées en quatre grilles qui sont elles-mêmes divisées encore en quatre blocs. Donc on voit qu'il y a certaines régions qui sont plus ou moins grandes avec un certain nombre de structures. Donc ici on a la SRAM. Donc l'idée c'est que c'est assez proche pour que ce soit rapide. Et donc la RAM peut interagir avec la ROM. Donc on a commencé avec les images et puis on les a décodées en chaîne de bits et puis on est revenu aux opérations à partir de là. Donc on pouvait voir directement que notre IAD était correcte en analysant aussi la dépendance des données. Et donc par contre on avait un problème d'ordre des triades. Il a fallu rétro-ingénérer les adresses. Et donc on a comparé on a dû faire le lien entre les adresses physiques qu'on a récupérées de la ROM et les adresses logiques. Et une fois qu'on avait fait ça, par contre, on a pu récupérer et désassembler tout le code. Mais c'était un peu compliqué de retrouver cette correspondance physique logique. On a trouvé que deux paires d'updates. Donc une update, en général, elle va remplacer deux triades de la ROM par des triades de la RAM. Et donc, si on relie le microcode, on arrive à obtenir les endroits qui ont été modifiés. Et on arrive à en retrouver davantage. Si on compare la sémantique des triades obtenues dans la ROM et l'exécution basée par adresse. Et du coup, on a réussi à implémenter un émulateur de macrocode qui nous a permis d'extraire davantage de sémantique. Donc ça fonctionne au niveau des triades et ça détermine l'état de sortie défini en fonction d'un état donné d'entrée. Donc l'état du processeur x86 et des registres du microcode. Donc pour chaque instruction x86,
exécuter, il peut y avoir différentes modifications de registres x86 et aussi des registres microcode. Donc ça supporte les opérations arithmétiques connues et on a défini une whitelist d'opérations no-op qui font rien. Au total, on a trouvé 45 paires de données supplémentaires, ce qui nous a permis de reconstituer la représentation mémoire logique. Donc, on a quatre tableaux de blocs qui sont mappés à différents endroits. D'un point de vue de design matériel, c'est intéressant de faire comme ça et pas différemment. À présent qu'on arrive à mapper telle ou telle adresse à ce qu'on a obtenu dans la ROM du microcode et qu'on connaît certaines adresses de par nos expériences précédentes, on peut regarder certaines adresses. Donc, décalé à droite et doublé, on prend un registre, on le décale et on met ça dans un autre registre. Du coup, on voit différentes sous-opérations. On a deux opérandes de décalage à gauche. On voit RegMD6 et RegMD4. Donc, ce sera remplacé par les registres utilisés par le registre correspondant x86. Par exemple, par par EAX, en fonction de l'assembleur x86 qui est exécuté. Donc, là, ça nous permet déjà d'apprendre encore d'autres choses. Donc, on voit qu'on a la source, la destination. Et cette source indique le nombre de décalages à faire. On ne savait pas ce que c'était avant. Et on arrive à réaliser que ça sert juste à implémenter du décalage. Que si on essaie d'écrire dedans, ça a des comportements bizarres. Des fois, ça fait crasher le CPU. Donc cette opérante, elle détermine le nombre de décalages. Et si on veut déterminer de combien de décalés, on doit lire T41. Donc ça nous a permis de déterminer davantage d'informations. Donc le reste sert à implémenter les sémantiques de l'instruction x86 et de retourner le résultat. Donc maintenant on va regarder une instruction un peu plus compliquée. Donc là, par exemple, on a l'instruction RDTSC qui renvoie en fait le compteur de programme. Mais divisé dans deux registres différents. Et donc au début, on a deux opérations de type load, donc chargement. Et donc ici, on ne connaît pas l'instruction, mais on connaît la destination. Ici, on sait qu'on arrive en T9 et ici on arrive en T10. Donc on peut suivre les modifications à l'aide de ça. Et donc pour la simplicité, on va commencer par T10. Donc ici on voit que c'est un registre qui dénote en fait un registre interne. Et si on joue avec ces bits, en fait on voit que ça encode C04. Et par exemple, sur le T10, on a un bitmask de 4. Et si on regarde dans le manuel, on voit que ce bit et que C04, c'est le bit qui détermine si on a le droit d'exécuter l'instruction depuis le user mode. Donc, si on garde à l'esprit que dans T9, on a une autre valeur chargé depuis un registre interne, on peut revenir à ça plus tard. Donc si on suit l'exécution, bon, il y a du padding, c'est un pattern qu'on a déjà vu. Où est-ce que nous amène cette branche? Cette branche nous amène à une triade de branches conditionnelles. Et si on regarde un peu plus haut, donc
cette instruction a mis à jour ce flag. Donc, cette branche est basée sur le fait de savoir si l'erreur est là ou pas. Bon, là on peut voir comment on sort de la routine. Donc on fait un décalage à droite du contenu de T9. Donc on a 20 bits. On veut décaler les 20 bits du timestamp dans ce registre. Donc dans EX, on veut les 32 bits les plus bas du timestamp. Mais on n'a pas fini. Regardons l'erreur. Donc si on n'a pas l'accès à l'instruction, on peut voir qu'on fait un move immédiat dans un registre interne T19. Et donc 0xd, c'est le code de l'interruption de faute de protection générale. Là. Donc ça va être ensuite traité par le gestionnaire d'exception. Et plus tard, cette triade nous envoie à cette adresse. Et si on regarde où est-ce qu'elle est utilisée, on voit d'autres load immediates qui vont aussi dans du code x86. Donc on sait comment lever une interruption depuis le microcode. On a juste à écrire dans ce registre-là et brancher à cette adresse-là. Donc, on a appris beaucoup. Maintenant, la question, c'est comment sont implémentées des instructions. Donc, white MSR, en gros, c'est une instruction qui va aller écrire les données en entrée dans un machine spécifique register. Donc, ça sert à implémenter des extensions non standard spécifiques à la machine. Par exemple, déclencher des mises à jour de microcode. Donc, on veut donner l'adresse de destination dans RCX. On voit que c'est décalé de 16 bits et que c'est mis dans T10. Donc on suit les emplois de T10. On voit qu'il est XORé avec ce bit mask qui correspond à l'espace de nommage du MSR. Du coup, en l'occurrence, c'est un MSR spécifique à AMD. Donc ça nous met le flag aussi. On a toujours un jump conditionnel en fonction de ce flag à ce qui devrait être le gestionnaire de ce namespace de MSR. On a un deuxième XOR après, qui utilise un autre bitmask 6001 qui est le namespace dans lequel la routine de mise à jour du microcode se situe. Donc, on arrive dans le gestionnaire de mise à jour. Donc si on continue à faire des trucs sur RCX, on continue à faire des branches. Et ça continue jusqu'à ce que toutes les données soient dispatchées dans le handler qui va bien. Donc c'est comme ça sur AMD, mais ailleurs c'est probablement fait de manière similaire parce que ça implémente des fonctionnalités similaires. Donc là, je vous ai montré comment est-ce qu'on a, on a reconstruit la connaissance qu'on a maintenant. Et maintenant, je vais vous montrer les applications. Donc, je vais vous montrer la façon dont on a fait, dont on a permis de configurer la précision de RTTST. Donc, on peut réduire la précision de ça, qui peut éviter des attaques par mesure du temps. Et on a écrit aussi un sanitizer d'adresse assisté par microcode. Ensuite, on a aussi écrit des instructions de une randomisation du jeu d'instructions. Et donc, on peut dire si, à chaque fois qu'une instruction est exécutée, si c'est pour moi, on peut effectuer une action. Et donc on a aussi ajouté des mises à jour de microcode qui sont authentifiées. On a vu aussi que le microcode avait un environnement similaire à celui d'une enclave sécuritaire.
Donc quand on veut écrire, on doit le dire de manière explicite via des registres internes. Donc la seule manière d'interférer avec le microcode, c'est du microcode en tant que tel. Donc ça peut permettre d'implémenter une enclave hardware. Donc pour le sanitizer d'adresse, donc c'est de l'instrumentation logicielle pour détecter les accès mémoire invalides. Donc à chaque instruction, on va vérifier si l'adresse est valide, est-ce qu'on a le droit ou pas. Donc il y a des auteurs qui ont proposé une implémentation hardware en rajoutant l'instruction HWASAN qui fait les validations et lève une exception si ça va pas. Donc vous avez le microcode, le pseudocode, c'est assez simple. Ça charge l'adresse. Si on a le shadow, eh bien c'est qu'il y a un problème. On compare juste un flag. Donc d'autres avantages sur cette approche, c'est qu'on a une meilleure performance. Comme on a une nouvelle instruction, on peut la recoder et faire des choses qui nous apportent une meilleure performance, avoir du code plus compact et faire des choses qui sont difficiles à faire en logiciel. Donc on a implémenté une autre variante en remplaçant l'instruction bound qui n'est plus utilisée par les compilateurs sur le x86 moderne. Donc notre nouvelle interface prend comme premier argument un registre avec l'adresse qu'on aimerait accéder, puis la taille de données qu'on aimerait accéder à cette adresse. Donc si la vérification fonctionne, c'est un no-op, ça continue. Et si on rencontre un accès invalide, on peut configurer l'action qui est prise. On peut par exemple lever un page fault, ou on peut lever une interruption spécifique, ou on peut brancher sur du code x86 qui va faire des validations supplémentaires, ou ce que vous voulez, écrire des rapports. Le plus important, c'est que ça tient en une instruction et qu'on n'a pas besoin de toucher au registre x86. Il y a des résultats intermédiaires qu'il faut bien stocker quelque part. En général, on ferait ça sur x86, mais si c'est déjà utilisé par ailleurs, c'est la merde. On a aussi trouvé qu'on était plus rapide à faire des validations que les validations faites sur x86. Donc, malgré le fait que le microcode ressemble à du software, on arrive à améliorer les performances. Et l'application est plus rapide parce qu'on a moins d'instructions, donc le cache est moins rempli. Et ça rend aussi plus facile le fait de déterminer qu'est-ce qui est du code de test et qu'est-ce qui est du code applicatif réel. Donc, la dernière chose, je vais vous montrer les outils qu'on a utilisés pour notre développement que vous pouvez trouver sur GitHub. On s'est assez vite rendu compte qu'on allait devoir tester pas mal de mises à jour parce qu'au début, donc il faut lancer des trucs dans un CPU, voir le résultat à chaque fois, donc on s'est dit qu'on allait faire ça en parallèle. Donc on a développé un moyen de faire ça en parallèle. On a plein de boards qui sont branchés en série en GPIO sur une Raspi. Donc la Raspi peut allumer, éteindre, télécommander ses cartes mères, et on peut s'y connecter depuis n'importe où en SSH et déployer comme on veut. Donc la première version ressemblait à ça. Au début, on savait pas trop faire d'électronique, donc on a pris une Raspberry Pi. C'était un peu cher, et puis finalement on a amélioré. Donc maintenant on peut utiliser une Raspi pour 4 ou 5 boards. On a besoin que de 3 GPIOs. Si on se connecte à des optocoupleurs pour séparer les niveaux de tension. Et qu'ensuite on se connecte d'un côté au pin de reset. Et afin de déterminer si la board est allumée ou éteinte, il suffit de brancher une diode électroluminescente. Donc comme ça c'est moins cher et c'est compact.
Et si vous êtes vraiment contraint, vous pouvez enlever les LED parce qu'en gros, vous vous rendez compte assez vite dans quel état est votre système. Du coup, on a écrit notre système d'exploitation vraiment, vraiment minimal. La fonctionnalité principale qu'on voulait, c'était un contrôle à 100% sur toutes les instructions qui allaient être exécutées à partir d'un certain point. Parce qu'on veut savoir comment elles sont décodées. Et on sait qu'en jouant avec ça, on risque de crasher le CPU et on ne sait pas ce que font ces instructions. Donc ça écoute sur le port série en attente de commande. Ça peut appliquer une mise à jour. Donc ces mises à jour sont streamées sur le port série. On peut aussi streamer du code machine x86. Sur une clé USB qu'on n'a pas besoin de reflasher à chaque fois. Ça nous permet aussi de renvoyer les retours d'erreur sur le Raspberry Pi et les retours du test. Donc, on a en gros, le plus important dans le framework, c'est l'assembleur et le désassembleur verbeux de microcode, ce qui génère des listings, et en utilisant ces outils, on peut assez facilement écrire du microcode. On avait aussi besoin d'un assembleur x86 pour écrire du code de test. Et ça nous a permis de désassembler des mises à jour et d'inspecter les contenus de la ROM et d'utiliser ça ensuite dans notre émulateur pour davantage d'analyse. Ça nous permet aussi de créer nos propres mises à jour que le pilote de mise à jour de Linux peut charger. Donc on peut modifier le driver de base pour charger n'importe quel update et voir ce que ça donne. Donc c'est aussi disponible sur GitHub. Et bien sûr, le framework peut contrôler par port série et GPIO notre OS minimaliste HungryJS. Et on a un joli wrapper pour faire ça à distance sur une Raspi comme si on était en local. D'où la fin du talk. En conclusion, la rétroconception de la ROM ouvre plein de possibilités. Comment fonctionne le microcode? Comment l'utiliser proprement au lieu de juste inférer en partant d'un jeu de données assez faible basé sur les mises à jour? Mais il y a encore plein de choses à faire. Donc si ça vous intéresse de bosser là-dessus, rentrez en contact et on partage nos découvertes avec vous. Et la totalité du framework, de l'OS et des exemples sont disponibles sur notre GitHub. Donc c'est la fin et on répondra avec plaisir à toutes les questions que vous puissiez avoir. Thank you very much. So we have 10 minutes for questions. Please line up the microphones. We start with microphone number 2. Merci pour cette présentation. Quelques questions par rapport à votre sanitizer d'adresse hardware. Donc vous avez de l'instrumentation du source code, du code source, parce que le microcode est responsable de s'occuper de la mémoire qui pourrait être occultée. Non. Notre implémentation, c'est une modification du compilateur pour insérer la nouvelle instruction qui normalement n'existe pas. Et aussi du loader pour initialiser et mettre à jour ces shadow maps au runtime. Donc, en gros, il va rajouter entre 10 et 20 instructions avant chaque accès mémoire. Donc, il faut compiler ce composant et l'intégrer. J'ai pas vu, je l'ai peut-être raté. Mais à quel point est-ce que c'est plus rapide que cette version initiale? La version hardware ou la version software du sanitizer? Donc par rapport au sanitizer KSAN standard du noyau Linux? Quand ils ont fait un micro-benchmark sur HungryJS. Donc,
en faisant de l'instrumentation au niveau des accès mémoire. C'est pas quelque chose qu'ils ont fait de similaire. Ils ont juste un prototype et une instrumentation basique. Ils n'ont pas instrumenté un niveau suffisant pour pouvoir faire des comparaisons. Est-ce que vous avez trouvé... du micro, des implémentations microcode bizarres, peut-être pas au niveau sécurité, mais peut-être quelque chose que vous n'attendriez pas, ou des implémentations auxquelles vous ne seriez pas attendu. Donc, le problème pour commencer, c'est qu'il y a beaucoup de microcodes. Il y a F000 triade. Donc il y a beaucoup de code à couvrir, et on a aussi des erreurs de lecture. Des fois on a des bit flips. Donc on peut se dire oui, peut-être que le registre c'est pas ce qu'on pensait, peut-être que l'adresse est pas bonne. Et puis de temps en temps on peut avoir de la poussière qui vient faire flipper des bits. Donc on a vraiment regardé uniquement un sous-ensemble. On n'a pas regardé la ROM totale, le microcode dans sa totalité. C'est pas faisable de regarder la totalité du microcode. On n'a pas essayé de trouver des choses rigolotes. Et on pourrait pas dire ce que c'est parce qu'on n'a pas vu de spécification officielle pour du microcode. Quelle génération de CPU AMD vous avez utilisé? Sur quoi ça se base? Donc ça se base toujours sur les mêmes choses que notre talk précédent, donc les K8, les K9, donc des CPU qui sont sortis jusqu'à 2013. C'est la dernière année où AMD a fait des trucs de ce style. Donc sur les nouveaux, a priori, il y a de la cryptographie à clé publique. On n'a pas réussi à la casser. Donc les nouveaux, pour l'instant, il n'y a rien. Je voudrais savoir à quel point le microcode, les programmes de microcode pourraient être complexes. Donc, qu'est-ce que c'est, quelle est la complexité des nouvelles opérations que vous pourriez implémenter? Donc, le seul facteur limitant, c'est la taille de la RAM de mise à jour. Donc, sur K8, on est limité à 32 triades. Donc 69 instructions. Et il y en a certaines qu'on peut enlever, du style toujours exécuter la triade suivante. Il y a certaines instructions qui peuvent uniquement être dans un slot impair ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment difficile. Et de ce qu'on en sait, on peut charger des valeurs médiates que de 16 bits, pas de 32 bits. Donc ça fait très vite grossir la taille de votre programme si vous essayez de faire quelque chose de compliqué. Par exemple, notre mécanisme de mise à jour authentifié du microcode, c'est le plus compliqué qu'on a écrit, et ça remplit presque totalement la RAM, et on utilise l'algorithme T parce que c'est le seul qu'on a réussi à faire tenir dans la RAM. Donc c'est une contrainte sur la taille de la RAM, elle est vraiment toute petite. Vous avez dit que le microcode était utilisé pour le décodage d'instructions. Et donc ça déploie les instructions vers le scheduler. Est-ce que vous avez trouvé comment ça fonctionne exactement? Alors dans l'essence, on n'exécute pas vraiment du code dans le moteur du microcode. De ce qu'on en comprend, le moteur du microcode, c'est juste une recette logicielle qui explique comment décoder une instruction. Donc on n'écrit pas vraiment les instructions, on met juste des trucs dans le pipeline pour faire ce qu'on veut. Donc on peut faire des branches conditionnelles, on peut faire des boucles, mais on programme pas, c'est juste on met les trucs dans le pipeline du CPU et ça fait ce que c'est câblé pour faire. Comment est-ce que vous avez pris la photo du CPU? Est-ce que vous l'avez ouvert? Ouais, on l'a travaillé.
avec Chris, un spécialiste hardware. Il a l'équipement pour délaminer et prendre des photos haute résolution, optique. Et il fait aussi des micro-photographies au microscope électronique à balayage. Et c'est très joli. Et c'est dans son papier de recherche. Est-ce que vous êtes au courant des recherches par Christopher Thomas où il a trouvé les instructions pour le microcode X86? Oui, on est au courant. Donc il y a une carte des instructions du X86 et on peut peut-être comparer ces deux talks parce que il a reversé des instructions qui sont implémentées en microcode. Et il y a des composants de la RAM du microcode qui sont probablement pas déclenchés par des instructions X86. Par exemple, l'instruction qui est écrite dans un MSR. Par exemple, la mise à jour du microcode. Tout ça, c'est implémenté uniquement en microcode. Thank you. Thank you, Benjamin. Merci Benjamin.